que je fais de la musique, j'ai toujours été inspiré par la nature et les grands espaces, avant même d'avoir pu les voir de mes propres yeux. Cette année, j'ai voulu que ce soit un peu différent. C'est pourquoi j'ai décidé de poser ma valise à Flattery, un petit village de pêcheurs des Westfjords islandais. Avec moi tout le matériel nécessaire pour composer. Je vais donc pouvoir retranscrire au quotidien les émotions que je ressens lors de mes différentes activités, de mes différentes visites, mais aussi de toutes les rencontres que je vais faire. Lors de ce voyage, je ne serai pas seul, je pars avec deux personnes qui ont déjà l'habitude de me suivre lors de mes différents projets. Jonathan Bertin, qui est mon photographe depuis maintenant 2 ans. Il m'accompagne depuis mes premiers concerts et a l'œil pour capturer les différents moments de ma tournée ou de mes voyages. Baptiste Cornu sera aussi de la partie. Il documente mes différents projets depuis maintenant 1 an et filmera aussi les prochaines vidéos que vous verrez de ce voyage. Ça me rassure tellement pas ça, mec. Les mecs regardent une vidéo YouTube pour faire un nœud. Regarde ça. Après, tout le monde fera la même sur YouTube. Et ils font « Ouah, c'est trop stylé !» Nous, on est précurseurs, ok? On est précurseurs. He's talking fresh, but everybody has to know what we're gonna do right now. We're gonna do like a big... Mais non, on l'a trouvé. Oh merde. J'ai fait une fois du cheval dans ma vie. Je pensais pas refaire en Islande. Salut, c'est Jonathan et Mehdi. C'est pas net. Bienvenue sur Jackass et aujourd'hui on va rider des pur sang islandais qui ont jamais vu un seul être humain. Je peux pas me sentir, c'est des gants gros. C'est trop marrant, mon poney, j'ai rien besoin de faire. Il suit les autres, on dirait la direction assistée. C'est tellement agréable de faire une balade ici. Kayaking? I think the guys are pretty flexible, like. Yeah. If you ask them, like, when it fits them. We can go sail fishing too, I think. Fishing on the sea? Yeah. Yeah, probably in Flattery. You should find some guy who wants to take you out on a boat. Yeah. Should, yeah. You're probably not the only customers I have, like, in the next ones are maybe in April only. Yeah. So I can do this because I'm flexible, but most businesses close completely. Oh, yeah. Thank you very much. Drive safe here. Yeah, no problem. No. Thank you. Yeah. Je pense que c'est important de capturer tous les moments qu'on va vivre et de vous les partager, déjà pour vous tenir informés de l'avancée de l'album, mais aussi pour que vous soyez témoins des événements qui vont me forger. J'ai toujours été attiré par l'Islande. C'est un pays complètement différent de tout ce que j'ai pu voir avant.
Ses paysages lunaires et son atmosphère m'inspirent déjà tellement.